Vous avez béni, non? Oui. Moi, je vais vous inviter debout pour le respect de la parole de Dieu. Dans une lecture en soi, c'est dans 1 Corinthiens 17, le verset 7 jusqu'à verset 20. Je lis pour vous. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Éternel Dieu? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes. Toi qui es élevé, Éternel Dieu, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Parole du Seigneur. Amen.